retrouvons pour réaliser nos réglettes cuisenaires la deuxième partie. Alors, vous avez déjà préparé une feuille comme ceci. Il vous en faudra deux. La première, votre enfant l'a réalisée. Vous pouvez réaliser la deuxième pour un gain de temps ou le lui faire refaire s'il a envie de faire seul. Ensuite, il vous faut des crayons de couleur. Donc, il vous faut un bleu pour la quantité 10. Il vous faut un violet pour la quantité 9. Il vous faut un noir pour la quantité 8. Un rose pour la quantité 7. Un jaune pour la quantité 6. Un orange pour la quantité 5. Un marron pour la quantité 4. Un rouge pour la quantité 2. Et la quantité 3, le vert. Voilà. Et les 1 seront en blanc. Donc, ces réglettes cuisenaires vont nous permettre de décomposer. Par exemple, je vais avoir des cases que je vais colorier en bandes. Donc, il y aura une bande à 10. Donc, vous prenez votre crayon de couleur bleue. Et vous comptez, vous pouvez faire des points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et toutes ces cases-là, vous allez les colorier en bleu. Donc on va faire ensemble pour la première bande. Et je vous laisserai faire les autres une fois que je vous ai aiguillé pour les faire tout seul. Donc, vous voyez, je colorie, j'essaye de ne pas dépasser les enfants pour ne pas être embêtée pour mes autres réglettes cuisenaires. Donc je vais colorier mon ensemble de 10 cases, puisque cela représentera la quantité 10. Et donc les quantités 10 sont donc avec le crayon de couleur bleu. Vous pouvez également, bien évidemment, réaliser vos réglettes cuisenaires au feutre, sachant que c'est quand même plus facile de colorier au crayon de couleur. Voilà, donc j'ai fait ma bande à 10. Tout à l'heure, je pourrais découper et j'aurai ma quantité 10. Maintenant, je vois qu'il me reste 5 cases. Je vais donc en profiter pour faire la quantité 5. Je prends mon feutre orange et je vais marquer pour ne pas me tromper par des points pour savoir que je vais en colorier 5 en orange. Et j'y vais aussi, je colorie. Je vous rejoins dès que j'ai terminé de colorier mes 5 dernières cases. À vous de jouer. J'ai donc réalisé ma quantité 10 et ma quantité 5. Vous voyez, donc on va dénombrer pour cette activité. Donc ensuite, je vais faire une deuxième ligne. Je vais prendre mon crayon de couleur violet. Et je vais faire un point sur 9 cases, car je vais faire la quantité 9. Donc là, j'en suis à 6 et 3, 9. Donc vous voyez, j'ai fait 9 points. Je vais pouvoir les colorier en violet. On se retrouve tout de suite après. Donc les enfants, vous avez colorié la quantité 9 en violet. Donc on découpera la bande cuisenaire comme ceci sur les 9 quand on aura terminé de tout colorier. Je vois donc combien il me reste de cases ici. Donc tout à l'heure, j'en avais 10 et 5. Là, j'en ai 9 et 6. Et la quantité 6, on va la faire en jaune. Donc vous prenez votre crayon de couleur jaune et toute la ligne ici. Donc on peut faire des points pour ne pas se tromper. On va la colorier en jaune parce que le 6, c'est jaune. À tout de suite. Voilà, ma ligne est terminée. J'ai bien 9 violets et 6 jaunes. Maintenant, je vais faire la quantité 8. Je prends mon crayon de couleur noire et je vais faire 8 points. Donc, soit je peux dénombrer, mais ici, comme j'ai 9, je sais que 8, c'est 1 de moins. Donc, je peux me placer directement ici et colorier ma ligne de 8. À tout de suite. J'ai donc réalisé ma bande pour la quantité 8 en noir. Il me reste combien? Il me reste 7. Donc, je prends mon crayon de couleur rose, puisqu'on avait dit que le rose, c'était 7. Là, j'ai pris du fuchsia, qui fait partie de la famille des roses. Et je vais colorier donc mes 7 cases en rose. On se retrouve quand c'est fait.
Je garde mon crayon rose dans les mains car sur la ligne suivante, je vais faire 7 points car je vais réaliser la réglette cuisenaire à 7. Soit je peux compter, soit je peux savoir que là j'avais 8, donc un de moins. On se retrouve dès que cette ligne est réalisée. Je vais prendre avec moi mon crayon de couleur marron car là je vais sélectionner 4 cases pour faire ma bande cuisenaire 4. Donc je fais les 4 points et je vais les colorier en marron. A tout de suite. J'ai fait mes 4 cases pour ma bande cuisenaire à 4 en marron. Il me reste à côté 4 cases que je vais faire en vert. Vous prenez votre crayon vert et vous allez faire la bande cuisenaire de la quantité 3 en vert et il vous restera donc une case vide qui constituera la quantité 1. On se retrouve dès que j'ai terminé. Voilà, donc vous pouvez voir, j'ai fait 3 et il me reste une case à 1. Je vais à la ligne suivante, on va faire la quantité 5. Donc on va prendre un crayon de couleur orange et toute la ligne sera faite en orange car nous avons 15 cases, donc nous allons faire 3 réglettes orange. Nous aurons 3 fois la quantité 5. A tout de suite. Voilà, donc toute notre ligne a été réalisée en orange. Donc nous en avons une première bande ici. Nous avons une première bande ici à 5, une deuxième ici et la dernière ici. Nous aurons 3 bandes à 5. Maintenant, nous allons prendre notre crayon de couleur vert et faire sur cette ligne 3 points. Donc on va colorier en vert ici. À tout de suite.